Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Et oui, nous nous retrouvons pour les différents exercices des petits bonshommes allumettes. Dans cette capsule, ce sera pour se détacher d'une maladie ou la peur d'avoir une maladie. Petite parenthèse, vous pouvez toujours aller visionner l'introduction à ce sujet. Alors, faire cet exercice avec une maladie vous permettra d'être davantage détaché face à elle. Ceci diminuera votre niveau de stress et vous augmenterez ainsi vos chances d'être dans une étape de guérison. Lorsque vous faites l'exercice de vous avec une maladie que vous avez ou que vous avez peur d'avoir, il est important que vous vous placiez à gauche, en parfaite santé, et vous à droite, et le nom de la maladie. Le fait d'utiliser les opposés va amener les plus grands changements et résultats. C'est comme si vous disiez à votre subconscient, aide-moi à trouver une solution pour que je bascule de la maladie à la santé parfaite. Et ainsi, vous faites aussi une affirmation, à savoir, je sais que la santé parfaite est possible pour moi, j'ai besoin d'aide et je veux changer, et aussi, j'ai la santé parfaite en moi, aidez-moi à la manifester. Voici l'exercice en image avec vous et un problème de santé. Première étape, je me mets en situation. Je commence par me dessiner en premier à gauche de la feuille, tête, yeux, le nez, le sourire qui est très important, je le répète à chaque fois, ne faites pas une bouche fâchée, puis je dessine le corps, les bras et les jambes, comme le dessin. Ensuite, j'écris mon prénom et mon nom de famille en bas, Fabie-Ange, et j'écris aussi la situation qui est en parfaite santé. Deuxième étape, je me dessine à nouveau, tête, yeux, le nez, le sourire, et pas une bouche fâchée, et puis je dessine le corps, les bras et les jambes. Ensuite, j'écris mon prénom et mon nom de famille en bas, Fabie-Ange, et la situation négative. Ici, j'ai pris cancer du poumon. Troisième étape, je dessine un cercle de lumière autour de moi et il faut qu'il soit bien fermé et pour ne pas que mon subconscient enregistre que je suis enfermée dans quelque chose, je vais dessiner des rayons lumineux tout autour pour que mon subconscient enregistre que je suis dans un cercle de lumière et non pas enfermée dans quelque chose. Et je dis en même temps, je sais que la santé parfaite est possible pour moi, j'ai besoin d'aide et je veux changer. J'ai la santé parfaite en moi. Aidez-moi à la manifester. Quatrième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour de moi, c'est-à-dire à droite, avec des rayons lumineux. Et je dis en même temps, je sais que la santé parfaite est possible pour moi. J'ai besoin d'aide et je veux changer. Et aussi, j'ai la santé parfaite en moi. Aidez-moi à la manifester. Cinquième étape, je dessine un cercle de lumière bien fermé autour de nous deux, moi et moi, c'est-à-dire moi et moi, avec des rayons lumineux en disant « Je veux ce qui est le mieux pour moi. Je sais que la santé parfaite est possible pour moi. » J'ai besoin d'aide et je veux changer. J'ai la santé parfaite en moi. Aidez-moi à la manifester. Sixième étape,
Je trace les lignes d'attachement conscientes et inconscientes par rapport à chacun de mes centres d'énergie qu'on appelle chakras, et nous en avons sept. Je peux aussi prendre les sept couleurs des sept chakras, c'est-à-dire le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le mauve. Mais ce n'est pas encore une fois nécessaire. Un crayon à mine suffit. Je pars de moi à gauche, en pleine santé, pour rejoindre moi à droite, cancer du poumon. On commence par le premier centre d'énergie qui est le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx. Vous partez de gauche pour aller à droite. Le deuxième centre d'énergie, c'est le centre sacré qui est situé entre le nombril et le pubis. Le troisième centre d'énergie est le plexus solaire qui se situe en dessous du plexus, donc je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Le quatrième centre d'énergie, eh bien, c'est le cœur qui est relié, n'est-ce pas, à l'amour, et il se trouve au niveau du cœur. Le cinquième centre d'énergie est la gorge, qui se trouve au niveau de la gorge. Le sixième centre d'énergie est le troisième œil, qui se trouve entre les deux yeux et qui est relié au plan mental. Donc, je relie les lignes d'attachement conscientes et inconscientes. Et le septième centre d'énergie est le chakra couronne qui se trouve au-dessus de la tête. La septième étape, eh bien, nous arrivons au découpage. Je découpe les lignes d'attachement conscientes et inconscientes au milieu, entre moi et moi, comme montré sur le dessin, en disant « je coupe les liens conscients et inconscients ». Et ne pas oublier de dire merci, merci, merci. Que faire avec cette feuille? Eh bien, vous la jetez dans la corbeille ou la poubelle. L'important, c'est d'avoir fait l'exercice. Après, eh bien, vous faites comme vous le sentez. Cela n'a pas d'importance. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire ou via mon adresse mail. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de tout cœur tout le meilleur pour vous. À très vite.